Revelio. Professeur, content de vous voir. Moi de même, ravi de vous revoir en un seul morceau. Que faisaient donc des trolls après Olar ? Monsieur, les trolls portaient des armures avec une lueur sombre, comme le collier du dragon. Le fameux argent gobelin dont Ranrok s'est servi sur le dragon. Mais comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrok parler avec Victor Rockwood. Ranrok était après Olar ? Avec Rockwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrok pour que Rockwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois Baleines n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. Ils veulent le médaillon. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Oui, oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, pour être exact. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore, et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Hecat. Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre. Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Je vais prévenir le professeur Hecat de votre venue. Lumos, Leviosa. Revelio. 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 Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Le professeur Fig m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer,
j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. J'ai l'impression que l'existence de joutes magiques n'est pas vraiment un secret. Revelio. Leviosa! Tu veux refaire un combat? Je crois. Revelio! Voyons qui se présente. Personne ne me fait peur dans cette école. Je sais, Sébastien, je sais. Bonjour, Lucan. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Tu veux refaire un combat? Oui, allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire? Oui, avec Nati. Dans ce cas, allons-y. Que dirais-tu d'une petite rossée? Désolée d'avance. Mon pari. J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duellistes t'avaient déjà remarqué, mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner, ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Celui qui remporte la prochaine manche gagne.
Bonjour, Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est ? Tu veux essayer ? Ce serait super. Lance bien tous tes sorts avant que le mannequin atterrisse. Si tu dois arrêter l'entraînement avant de les avoir tous finis, dis-le-moi. Tu vas y arriver. Les vieux sorts. Peut-être une prochaine fois. Action. Bien joué. Leviosa. Très bon travail. Leviosa. Action. Voilà, comme ça. Je pense que l'entraînement est terminé. Tu avais l'air en forme. Merci, Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Tu seras redoutable maintenant. Tous mes devoirs sont finis. Revelio. J'imagine que Monsieur Brattleby a pu vous... J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Hecat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur ? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Sainte-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminiez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Incendio.
Ah, vous voilà. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Eckhart. Elle m'a dit que vous vous habituiez bien à votre nouvelle baguette. Vous devez absolument poursuivre vos efforts avec chacun de vos professeurs pour progresser. Cela dit, nous ne pouvons reporter davantage notre visite à la bibliothèque. Bon, si nous continuions... Fig, j'ai besoin de vous. Venez. Monsieur le directeur, je suis occupé et mon emploi Votre emploi du temps, je m'en moque éperdument, comme de votre élève. J'aurais cru qu'après tous les problèmes survenus avec Osric, vous auriez envie de vous rattraper. Dans mon bureau, et dépêchez-vous. Cet homme m'exaspère. Malheureusement, notre escapade dans la réserve va devoir attendre encore un peu. Mais, professeur... Nous n'avons pas le choix. Il ne serait pas très avisé de provoquer une fois de plus notre illustre directeur. Je vous rejoindrai quand j'aurai achevé les corvées qui me reviennent.